Peggy 12. Hey, salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Random Style. La caméra est noire parce qu'il fait nuit, je viens de rentrer, il doit être 1h du mat, je sais pas. Et je vous prépare un petit Random Style, donc toutes les cartes sont là, vous le savez. Danzo, Shimura, Danzo, ou encore Itachi, Roshi, Tenten, Kiba, Sakura, Fu, Kankuro, Hidan, Tobi, Kabutomaru, Karin, Sugetsu, Hashirama, Neji, Kurotsuchi, Shoji. Enfin bref, tous les personnages de stand 3 sont là. Vous avez vu tout ce petit paquet. Enfin bref, on va passer au tirage au sort. Je vais couper direct, vous savez quoi. Pas de temps à perdre. Hop là. Hop là. Le personnage donc principal pour ce nouveau Random Style, ce sera... Grand-mère Shio. Shio Bahasama. Ensuite, le premier soutien, ce sera... Shoji en guerre. Et le deuxième soutien, ce sera... Sasuke Kid. Alors Sasuke Kid, je sais pas pourquoi, il tombe tout le temps, le mec. Il y en a qu'une seule, hein, je peux vous l'assurer. Mais il tombe tout le temps, c'est bizarre. Enfin bref, ça sera donc Shio. Regardez, la vieille Shio. Avec Sasuke Kid, encore une fois. Et Shoji adulte. Voilà, en Shoji adulte, oui, de toute façon, il est quand même adulte. Mais je voulais dire en tenue de guerre. Voilà, c'est parti, on se retrouve à la fin pour la restriction. Et on se retrouve pour la petite restriction avec le dé qui va peut-être nous porter chance vu que c'est des trèfles, on sait jamais. Le tableau s'affiche ici, hop là, voilà. Et la restriction, donc ce sera 2. Alors le 2, vous le voyez. Hop là, voilà, excusez-moi. Donc 2, c'est pas d'items, tout simplement. Jouer sans utiliser les items. Bon, ça va pas être très 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 compliqué, même si j'ai l'habitude d'en utiliser beaucoup. Je pense que ça va
Allez, voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si ça vous dit. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Random Style. Salut à tous, ciao! なったかの。あれを仕掛けてなかったら勝負は分からなかった。内葉マダラは敗れた。だが戦いは終わってはいない。